On a besoin de héros quand on se sent faible et qu'on ne veut plus l'être. Alors quand on est enfant, on est faible, donc on a des héros identificatoires, des héros de construction. Tarzan, Zorro, un monsieur tout à l'heure me disait qu'il avait fait un petit club d'admirateurs de Zorro, Superman, le réparateur des torts, le protecteur des animaux, le protecteur des enfants, le protecteur des pauvres. Donc ça, c'est les héros bénéfiques. Mais parfois aussi, les nations ou les groupes humains sont faibles, et là, ils sont humiliés, et là, ils cherchent des héros vengeurs. Et là, c'est les héros maléfiques, c'est les héros de fanatiques, c'est les héros de régimes totalitaires. Alors, ces héros ont une influence énorme parce que la fiction a un pouvoir de conviction bien supérieur aux philosophes. Quand on aime un héros, on s'identifie à ce héros et on veut faire comme lui, agir comme lui. Donc, quand c'est un héros en temps de paix, eh bien, bravo, on aide les pauvres. Quand c'est un héros de temps de guerre, eh bien, on veut faire comme lui aussi, c'est-à-dire tuer les autres, et on est prêt à sacrifier sa vie pour tuer nos ennemis. Et là, ce sont des héros tragiques. Alors, les surhommes veulent dominer. Les héros veulent se sacrifier. Donc, c'est pas du tout pareil. Les héros ne sont pas des surhommes, puisque par définition, eux-mêmes, ils ont été blessés. Et on les aime parce que, comme nous, ils sont blessés et surmontent, ils remportent la victoire. Superman est un homme timide, mais dès qu'il se met un maillot et une cape, il fend l'air avec son poing. Zorro est un homme faible, mais dès qu'il se met un cheval et un grand chapeau, il répare le malheur des faibles. Donc, ces héros sont, en temps de paix, sont nécessaires et bénéfiques, mais en temps de guerre, ils sont maléfiques parce que c'est des modèles de comportement. Le héros tragique a pour fonction de fanatiser la foule. Et à ce moment-là, les gens s'indignent, perdent la raison, et on peut leur faire faire n'importe quoi. C'est pour ça que certaines foules sont entièrement manipulées par des images de héros.